Bienvenue pour cette petite rétro-value sur le jeu Pitfall 2, ou David Crane's Pitfall 2 Lost Caverns. C'est la suite du premier Pitfall, vous l'avez deviné, et c'est une putain de bonne suite. Et c'est tant mieux, car le jeu est sorti juste après le crash ou le crack du jeu vidéo. Le jeu est sorti, je crois, en 1984, même si c'est marqué 83 au début, donc bon, je crois que c'est 84, sur Atari 2600, donc il fallait que le jeu vidéo reséduise les joueurs, puisqu'il y avait eu le crack du jeu vidéo, il devait donc reséduire les joueurs en leur offrant une expérience plus aboutie pour qu'ils continuent de croire à l'évolution et au progrès. Et ce nouveau Pitfall invite à plus d'exploration, il y a de nouveaux objectifs, même celui de capturer un vieux rat, mais qui ne peut pas être approché de face. Et il y a aussi un félin trouillard à récupérer, il s'appelle Quick Claw, et il faudra retrouver la nièce de Harry, le héros que vous incarnez. Elle s'appelle Rhonda, je crois pas qu'elle vienne du Rwanda. Elle a disparu dans les cavernes perdues du Machu Picchu au Pérou. Comme ça, je situe où se passe le jeu. Il y aura aussi un diamant à récupérer lors de cette expédition, ainsi que 28 lingots d'or, mais ça c'est en option. Comme le rat, ce ne sont pas des objectifs qu'il faut remplir pour terminer le jeu. Vous devez juste retrouver votre nièce, Quick Claw et le diamant, et le reste c'est du bonus quoi. Dans tous les cas, il y a de quoi faire, et ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas limité dans le temps, ni dans le nombre de vies. En plus, vous avez vu, on peut nager maintenant, et on a même droit à du scrolling vertical, le décor qui défile de haut en bas ou de bas en haut, mais toujours pas de scrolling horizontal par contre. Ça se passe toujours d'écran en écran, quelque part tant mieux parce que les ennemis ne nous suivent pas hors de leur écran, et quand on revient, ça réinitialise leur position. Vous avez pu voir que les scorpions sont toujours là. Mais le bestiaire varie un peu, on trouve notamment des chauves-souris et des grenouilles. C'est vrai que ça peut se montrer putain d'agressif, une grenouille. Ne riez pas, certaines sont venimeuses. Alors maintenant, on passe par des checkpoints, on meurt autant de fois qu'il le faut, et on explore le décor sur plusieurs étages. D'où l'apparition dans ce deuxième Pitfall du scrolling vertical. Et vous aurez remarqué la nouveauté, on a droit à de la musique, qui s'adapte à l'action en plus. Quand on meurt, le jeu nous sort une musique plus lente, comme une complainte. Alors que quand on récupère un trésor, le rythme de la musique s'accélère, elle devient plus joyeuse. C'est tout de même admirable pour de l'Atari 2600, sachant que cette console a des sonorités qui s'apparentent plutôt à des bips ou à des buzz. C'est une belle prouesse, il faut le reconnaître. Alors j'aime autant vous prévenir, c'est encore un jeu dans lequel on se fait baiser à un pixel près. Ouais, ces jeux rétro, un peu crispants. Je dois dire que j'ai eu du mal avec la gestion des sauts et avec ces putains d'échelles. Le truc c'est qu'une fois qu'on tombe, ben on tombe. On ne peut pas s'accrocher aux échelons en pleine chute. Alors juste une petite parenthèse, vous vous demandez peut-être pourquoi j'attends comme un con au bord de ce ravin. Je voulais juste voir s'il y avait un ballon qui allait finir par apparaître, car ça fait partie des nouveautés de ce Pitfall 2. Il y a des ballons auxquels on peut s'accrocher. Ça permet d'atteindre des plateformes en hauteur qui seraient autrement inaccessibles. Ouais, donc la gestion des sauts et des échelles, ça fait passablement chier. Non, je veux dire, c'est plutôt rigide, voilà, quand on y joue aujourd'hui. On peut quand même orienter la chute un tout petit peu, gentiment mais sûrement, afin d'atteindre le rebord d'une plateforme avant de tomber jusqu'en bas. Mais bon, en principe, ce sera toujours la collision avec un ennemi durant la chute qui vous arrêtera. Et alors dans ce cas, c'est retour au dernier checkpoint, et le score diminue en fonction de la distance. Oui, parce qu'on est ramené au dernier checkpoint en temps réel. Avec à chaque fois la musique qui change, pour nous rappeler que la vie est dure et courte. Et il faut préciser que tout cet aspect sonore avec la musique qui change s'est rendu possible grâce à la présence d'une puce intégrée à la cartouche. Et d'après ce que j'ai compris, ce n'était pas seulement pour la musique. Sans cette puce intégrée à la cartouche, l'Atari 2600 seul n'aurait pas pu faire fonctionner Pitfall 2.
David Crane devait espérer que cette possibilité d'extension de mémoire pour la console permettrait de faire durer l'Atari 2600 encore plus. Après tout, il a bossé chez Atari, et il devait certainement avoir de l'affection pour cette machine. De toute manière, l'Atari 2600 n'est pas morte lorsque les actions boursières du jeu vidéo ont chuté. C'était déjà une vieille console, et elle a encore duré quelques années sans parler des jeux homebrew. Mais concrètement, ce Pitfall 2 est ce qu'il y a eu de plus grand, de plus vaste sur cette console. Mais sinon, ça ne s'est pas revu, des jeux avec une puce intégrée pour l'Atari 2600. Mais c'est curieux de se dire que déjà à l'époque de cette console, on pouvait trouver des extensions, des add-ons, comme on a eu par la suite avec la Mega Drive et son Virtua Racing, ou bien la Super Nintendo avec son Star Wing. Bon, ce n'est pas comme la Nintendo 64 avec son Expansion Pack, parce que là je vous parle de hardware inclus directement dans le software. L'Expansion Pack de la Nintendo 64 était un accessoire indispensable pour faire tourner certains jeux, mais il fallait l'acheter à part. Bon, il était offert avec certains jeux, c'est vrai, mais... Non, là, dans ce Pitfall 2, il n'y a rien besoin d'acheter en plus, c'est juste que la cartouche, elle est déjà équipée avec tout ce qu'il faut. Et ça rend le cas de ce jeu assez spécial, c'est vrai qu'il est plutôt unique en son genre. Bon, déjà, il est unique en soi, parce que je vous l'ai dit, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de jeu plus vaste, plus grand, et je dirais même plus immersif, sur Atari 2600. Et en plus, quand on sait quelle technologie il y a derrière, quand on connaît un peu l'histoire, eh bien on se dit que ouais, c'est quand même intéressant, ce n'est pas juste un titre anecdotique, mais il me semble qu'on en parle moins souvent que le Pitfall original. D'ailleurs, si le premier Pitfall était number one dans le cœur de nombreux joueurs, ce deuxième Pitfall, dès qu'il est sorti, il a dû lui ravir sa place. Quoique certains joueurs ont peut-être la nostalgie du premier. On peut penser que cette suite est moins punitive, vu qu'on n'est pas limité par le nombre de vies ni par le temps. Mais tout se joue au pixel près, comme vous l'avez vu. Et en plus, si vous visez le perfect score, vous allez en chier davantage que dans le premier, vous pouvez me croire. Et je trouve aussi que par rapport au premier, on a plus envie d'aller jusqu'à la fin du jeu. Mais bon, moi j'ai joué un peu comme une merde, tant pis, c'était juste comme ça, pour essayer, juste pour voir. Je suis conscient que c'est un jeu dans lequel il faut s'investir, il faut donner de sa personne. Mais je ne sais pas si les joueurs d'aujourd'hui auraient la patience pour un jeu comme celui-ci, qui est quand même assez rigide et assez frustrant. Enfin, c'est une bonne découverte. A plus tout le monde, et merci d'avoir regardé cette vidéo.